Bonjour. Et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me trompe? Peu importe. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur, le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer. Déconcertant, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Comme dans la vie, vos choix auront un impact. Vos prises de décision affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire. Tous ces morts. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous? Pragmatique? Sensible? Plutôt la raison ou le cœur? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si je puis me permettre, c'est « Sois loyal envers toi-même. » Mais je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoires maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez.
Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Tout ce que chacun fait ou ne fait pas dans sa vie finira toujours par le rattraper. Qu'en pensez-vous? Ne me regardez pas. Je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce peut être le moment après la mort. Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé et cette fillette qui a des ennuis. À moins qu'elle ne les cause, ces ennuis. Enfin bref, reprenons. Angela n'obtient que peu de confidences de la jeune femme. Oh, pas de petites cachotteries. Et ce bon John? Notre figure d'autorité, peut-être. À moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew. Un peu confus, à mon avis. Sans choc à la tête, sans doute. Je vous rassure tout de suite. Vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes. Vous vous en sortez bien. Pourvu que ça dure. Cet homme dans le bar. Il était loin d'être serviable, franchement impoli, n'ayons pas peur des mots. Il semblait être perturbé par quelque chose. Assez ! Il se passe des choses très étranges à Little Hope. Et des âmes sont peut-être en péril. Retournez sur place, tentez de dissiper la brume. Trouvez le chauffeur de bus. Il s'en est vraiment fallu de peu pour Angela. Elle a failli connaître un sort pire que la mort. Quoiqu'il n'y ait rien de particulièrement mauvais dans la mort. Eh bien, bravo! Aucune perte tragique jusqu'ici. Les choses auraient pu se passer autrement. Les enjeux ayant l'air d'avoir pris de l'ampleur, cette arme pourrait bien sauver quelques vies. Vous ne croyez pas? Ou avoir l'effet inverse? Andrew va garder ça pour lui. Bien joué. Mieux vaut penser à soi. Les garçons ont des idées intéressantes. Préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel, affirmant qu'ils sont tous morts? Mon rêve vivait encore au-delà de la vie. Alors la tempête commençait pour mon âme. Je croyais franchir le fleuve mélancolique avec le sinistre batelier, chanter par les poètes et gagner le royaume de l'éternelle nuit. C'est possible, je suppose. Le chauffeur de bus en sait peut-être plus. Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade. Sosie d'autrefois, sorcière, fantôme, mort, horrible démon. Qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles? Nous finirons bien par savoir.
on m'a accordé la permission de vous offrir un indice, un seul. On tente ? Très bien, donc. Cherchons à nouveau l'inspiration auprès de l'énigmatique William Shakespeare. Je l'ai rencontré une fois. Je vois tout le monde une fois. Acte 5, scène 1, où Cléomène supplie Léonte de bien vouloir lui pardonner d'avoir provoqué la mort d'Hermione. Faites ce que le ciel a déjà fait. Oubliez vos offenses. Et avec lui, pardonnez-vous. Allez-y. Aussi terrifiante soit la situation, vous devez y retourner. Ah, bonjour. Alors, commencez-vous à y voir plus clair ? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attirée par Angela, inlassablement. J'espère vraiment qu'elle va bien. Un autre instrument de mort s'ajoute à la collection du groupe. Beau travail. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. Eh bien, comment formuler cela? Nous avons tous nos propres démons. Ils n'appartiennent strictement qu'à nous et sont souvent le fruit de nos regrets. Je vous laisse sur ces mots empreints de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé et chaque pécheur un avenir. Ce n'est qu'une enfant. Nous en reparlerons plus tard. Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Les événements, ainsi que les gens, ne sont pas toujours ce que l'on pense de prime abord. Trois exécutions, trois victimes tourmentées. Et pour l'heure, vos élèves ont tous échappé au pire des sorts, la souffrance éternelle. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Voilà, c'est terminé, fini. Pour l'instant, du moins. Vous pouvez toujours réessayer, tenter de faire différemment. Félicitations! Votre charge héroïque a triomphé des regrets, de l'horreur. Et tout s'est bien conclu. Et enfin, vous avez fini par le trouver, le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent.
Nous nous reverrons, peut-être dans le sud Pacifique, ou le désert d'Arabie, ou en d'autres lieux. Mais nous nous reverrons, au moins encore une fois.